partis, on a ramené tous les gens qui s'étaient déclarés volontaires pour partir. Ils sont tous en bonne santé. Manifestement, ils sont heureux des conditions de leur sortie de, du pays. Voilà, donc pour nous, c'est une réussite. Comment ça s'est passé sur le terrain, l'extraction de ces personnes ? Donc, les personnes ont été regroupées par l'ambassade de France sur un point de regroupement, pré-identifié à l'avance, dans les plans d'évacuation ou de regroupement que les gens peuvent avoir. Et on a fait des norias d'hélicoptères entre un porte-hélicoptère qui s'appelle le Tonnerre et ce point de regroupement. On les a fait deux jours, on les a fait deux nuits. Ces norias ont nécessité de survoler Port-au-Prince. Donc voilà, c'est pour ça que c'est aussi une opération militaire, c'est-à-dire qu'il y a quand même des risques, parce que la vie est risquée, c'est pour ça que ces gens sont là. Voilà, donc ça s'est fait en sécurité, dans un rythme qui permettait justement d'assurer cette sécurité à tout le monde.